c'est qu'en Haïti, l'agroforesterie c'est un système qui pique à marcher. Nous avons un pile monde, nous avons un pile terre qui est disponible. Donc, si c'est grande, grande culture, vous pouvez faire seulement, vous pouvez gérer. Parce qu'en pile d'espace, vous avez un terre monde, vous avez plein de tout petit, vous pouvez faire un genre pour gérer tout l'espace là, pour faire quoi. Ça c'est très petit, très réduit pour faire production, pour faire l'argent, pour faire un peu de bagage. Donc ici nous avons les agroforesteries. C'est une option que nous avons. Dans l'agroforesterie, pour pas besoin de paquet de ça. C'est ça qui est important, tout le bagage sur ça doit faire quoi. D'accord, après pour rentrer là, l'argent commence. Donc là, on a planté un mental. Ouais, là c'est production de légumes qui fait. Là nous avons un pas hydroponique là. Et puis devant, on a fait production. Nous avons une agriculture, une agriculture. Donc tout ça pour le permettre que nous avons un petit espace pour introduire un petit peu. Donc, comme ça, l'agroforesterie, c'est le système ça que nous avons depuis là. Donc, dans ce système, ça, plusieurs bagailles. Plusieurs bagailles à travailler. Donc, peut-être l'université américaine, c'est une rare université qui a une option agroforesterie. Okay. Une rare université qui a une option agroforesterie. Mais ça, nous avons, c'est qu'en Haïti, l'agroforesterie, c'est un système qui pique à marcher. Nous avons un pile monde, nous avons un pile terre qui est disponible. Donc, si c'est grande, grande culture, vous le faire seulement. Vous pouvez pas gérer. Parce qu'en plus d'espace, vous avez des morts, vous avez plein de tout petits. Vous pouvez faire un genre pour gérer tout l'espace là, pour faire comme. Derrière, nous avons un espace côté que nous avons produit biogaz. Biogaz? Il y a biogaz à partir de tous les déchets animaux. Déchets de construction. Nous pouvons consommer en biogaz et biofertilisant. Là, nous avons un partenariat avec l'organisation qui travaille dans ça, c'est une solution. Donc là, nous parlons tout déchet, bœuf, n'importe quoi, bois ça, pour faire tourner gaz. Donc le gaz, ça, nous allons l'utiliser dans l'espace côté que nous allons gagner transformation. En même, il n'y a pas suffi, mais il a aidé. En même, dans tout déchet animal, liquide là, avec solide là, nous allons transformer en engrais organique. Elle dit que nous allons transformer les déchets en gaz et en engrais. Ça, c'est bois ça, et là, nous allons faire. L'espace, ça, c'est le côté que nous avons commencé avec nous. Ça, c'est un espace pour mielui. Donc, on a un espace bio. 1000 millions, c'est abeilles? Abeilles. Okay. Abeille. Donc, là, on va beaucoup de travail, notre transformation, préparation, c'est la appel. Et puis là, on a un espace bio, tout stockage, équipement. Donc, c'est la nappe. Donc, comme ça, ça, c'est l'espace pour ça, on va faire un cadre de projet. Après, ça me donne l'espace, ça, c'est l'espace de production. Si tu es venu là, 2-3 mois passés, on a pris un pile de légumes. Betterave, carottes, oignons. Ok. D'après tout ça là, là font comme rotation nous fait là. Il y a quelques variétés maïs qu'on a pêché. Ok. Donc, variétés maïs ça, nous avons 3 variétés là. Il y en aurait les Tilevi, il y en aurait les Makina, et l'autre là les Chicken Corn. Donc on s'en a gardé comment ils ont comporté là parce que Makina, Tilevi, ils ont fait longtemps. Mais qu'ils ont longtemps battu les. Ça nous est pour un sous-côte sud là, la pêche qui a eu comportement yo. On commence à aimer, c'est comme rotation. Ok, mais l'op testé Marie, c'est-à-dire, qui soit essayé où elle a donné, qui soit essayé déterminer. Il y a plusieurs facteurs que nous avons gardé. Premièrement, nous essayons deux distances différentes. Nous essayons deux distances différentes. Et 15 cm yongen par poker, et puis 30 cm de grain par poker. Ça, c'est ce que nous avons gardé. Mais en même temps, nous avons gardé comportement, il y a hauteur. Ouais, par exemple, là, où nous avons observé, il est tombé. Avec des épis trop haut. Ok. Et normalement, les épis à plus bas, ils sont campés bien. Là, on peut gagner des épis bien haut. Donc, comme ça, on a suivi tout le comportement de la pour nous est-ce que son maïs est vrai, on peut utiliser peut-être. Ça, nous pensons faire. C'est si nous avons des bonnes qualités, nous allons faire croisement. On va croiser avec le chicken corner qui est maïs qui pique au même ici. Nous aurons un mélange pour couleur, pour texture, pour tout le bail. Nous allons garder si nous avons une autre variété pour nous croiser avec une créer une nouvelle, un hybride. Ok. Qui va permettre que nous améliorer la production. Côté nous, il y a un espace de production animale. Un espace de production animale. Mais comme nous avons dit au commencement, ferme dans son ferme d'apprentissage et tout. Donc, comme ça, on a un petit bar dans chaque, on a un bœuf, on a un cabrit, on a un lapin, on a un poule. Nous parlons d'apiculture, nous avons une pisciculture là tout. Donc, comme ça, on a un petit bar dans chaque.
Donc comme nous disons, dans le cadre du projet ces matchs là, nous n'avons pas transformé en véritable en parc technologique. Donc comme ça, nous parlons de faire recherche sur tout le bail ça. Donc là, et une chose que je t'ai dit qui est très important dans l'université américaine, nous avons ça relé l'agroforesterie. Donc c'est un système côté que dans un petit espace qui est petit, avec moins qu'on carotte, un paysan qui a fait pile l'argent. C'est bien géré. Donc comme ça, on n'a pas besoin de 10 carreaux, 20 carreaux. Je fais plus en passant au monde avec moins qu'on carotte. On a gagné 10 carottes, même gagné 1 carotte, on fait plus qu'on passe. Ça va dépendre des gens à gérer. Donc, comme ça, c'est un système que nous n'avons pas appris d'étudiants New York, comment pour gérer ce parce que nous avons pour faire un pile de produits. Donc, Cabrita, donc, grâce à Cabrita, nous avons là, c'est Nubien. C'est plusieurs. Cabrita, c'est plus pour viande. Et il n'y a pas trop produit lait. Nous avons l'autre race qui est alpin qui produit lait, que nous n'avons pas gagné la Cunia. Nous avons bon, là même, c'est l'autre race qui vraiment, c'est pour viande net lié. Donc, ça, c'est une race intermédiaire qui est liée. Donc comme ça, il est très adapté, c'est un cabrit importé qui vient, mais qui vient adapté dans la zone. Donc comme ça, et nous gagnons là pour pratiquer étudiant et puis pour recherche. D'accord. Donc pas bon ici, là nous sommes capables de pour eux. Et pour là, ça, bon, nous faisons final pour ça, là nous sommes fin commercialiser, même ça a été pour les blancs, pour les déchets. Là, pour ça, ce sont des pondeuses que vous avez. Donc c'est pour les locales, mélanger avec les races qui relaient. Rhode Island Red. Donc, c'est un mélange de local avec Rhode Island Red qui baille pour ça. Donc, on sait pour ça, là, plus produiseux. Donc, là, c'est un système qui part vraiment, qui est presque artisanal. Donc, là, nous avons des mangeoires, ça, c'est nous faire ici. Donc, ce sont des mangeoires simples, qui sont différents de mangeoires que nous allons dans l'autre. Okay. Dans l'autre là. Donc, l'autre, là, il y a l'autre mangeoire que nous importons, mais ça, c'est des mangeoires à cabrivoire que nous faisons ici. Donc, pour ça, il y a une envie qui n'est pas trop sophistiquée. Ok. Donc quoi ici là nous gain espace lapin. Donc là nous gain quelques lapins et côté que là encore c'est toujours à l'étape de pratique. Donc nous gain lapin là et puis là dans quatre projets ces matchs là forme nous allons faire l'autre plus gros cage. OK. Un cage qui est plus ou moins moderne qui parle dans coin l'autre bois là. Donc nous allons déplacer ça là parce que tout à l'heure nous allons faire l'autre plus gros pour l'aile là. Nous allons l'autre plus gros pour l'aile qui va être pondeuse. Donc nous allons faire l'autre système qui est plus sophistiqué. Donc qui plus améliorer, donc comme ça, nous allons pondeuse sur tout le bloc planète. Nous allons lever la pincée pour nous voir l'autre côté et puis avec différents. Mais nous allons différents types de cages. Ok. Et si je n'en bats pas là, c'est que nous allons démontrer plusieurs alternatives dans chaque sac à fait. Ça, on a toujours qu'un modèle ça, qui est un paysan café. Il y a l'autre modèle qui est paysan café qui ont un petit genre différent de ça, mais il y a l'autre modèle qui est plus ou moins moderne. Oh, après un bœuf tout. Non, bon, tu vas dans le chac. Bon, tu vas dans le chac. Oh, comme dit non, ça c'est Agonome Rochelin. Bon, Agonome Rochelin, comme dit non, c'est une année qui a supervisé tout le travail là. Okay. Donc, comme ça, et nous allons voir l'autre Agonome encore pour Abel. Les gens sont Abel, on ne peut pas les dire tout même. Ça, on va plaquer le nom. On va plaquer le nom, l'autre Agonome. C'est domaine pâle. Donc, mais Agonome Rochelin, c'est lui qui a supervisé tout le travail ça, là. Ça c'est mangeoire. Là nous préparer manger pour yo là. Ça nous fait nous récolter les herbes tout long. Yo gaspiller, yo yannick manger toute feuille qui était toute zo pratique du. Donc ça nous fait nous moulin yo. Dans fin moulin yo dans moulin là nous va manger. Donc comme ça on travaille, on pas plus rien gaspiller. Donc rien gaspiller là, il y a manger tout. Il y a manger tout. Mais là on met de l'enquête bas, il y a mangé tout point de feuille qui était. Oh. Donc comme ça, le moulin là mangé tout. Donc et après nous passions dans le moulin ça. Après ça nous allons manger. Ouais, donc là, comme nous disons, il y a un bar nous dit qui est extrêmement important pour nous. Il y a un bar que nous avons réalisé sous ferme. Ça. C'est dans quatre projets à tous, c'est match vraiment appuyé pour de ça. C'est que pas grand rien qu'à gaspiller ici, rien du tout. Les bêtes là fin manger et forage ça. Déchets bêtes là qu'on y a qui se forage encore. Nous allons ramasser yo, c'est avec que nous allons faire tourner gaz et puis plus engrais organique, engrais naturel. Donc comme ça, tout déchets bêtes on va le collecter, là nous allons un système biodigesteur là, nous allons mettre là-dedans pour transformer en gaz et puis de gaz, déchets qui finissent eux-mêmes qui ne décomposent, nous allons mettre en engrais, nous allons faire engrais organique. Donc, on ne sait pas gagner un cap gaspillé.
Donc quel que soit ça qui utilise à la réutiliser 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 encore donc comme ça ça va permettre que nous moins dépendre de engrais chimiques au lieu que nous dépendons d'engrais chimiques net donc on a diminué engrais chimiques en petit petit donc comme ça tant nous venir plus déchets organiques n'a visé moins engrais chimiques et là qu'a un bon résultat non seulement là des éléments nutritifs mais en même temps tout la structure terre ouais la fait terre venir plus bon terre plus bonne structure la riche en éléments et puis en même temps tout la piquer de l'eau etc. Donc, donc ça c'est un système que n'a pas gardé sin car améliorer mettre ici à net pour toute bagaille recyclée. Pas rien qui perdu. Et même côté nous faire poisson on va le tout à l'heure, on va le recycler toute l'eau ça tout. Donc au dim là c'est section pâturage. Pâturage. Donc il coupé M2 coupe. On coupé yo. Et puis aller avec passer le raspail là. Bon là il va avec. OK.